Allez les gars, c'est parti. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas à la pêche tous les deux avec Thomas et on va faire une petite vidéo pêche à la mouche. Donc on a encore un nouveau matériel et un joli petit moulinet, un petit plaisir pour cet été, un moulinet Hardy fabriqué en Angleterre. Donc là franchement un petit marquis, donc un super moulinet très très léger qui va super bien avec nos cannes Loomis. Donc voilà, on est vraiment excité de le tester. Et aussi on est vraiment excité de retourner au bord de l'eau et de pêcher à la mouche de mai. Là ça y est, on voit des insectes enfin au bord de l'eau. Les eaux sont un peu basses, mais bon, on va essayer de faire avec et on va essayer de se faire plaisir et s'éclater en pêchant à la mouche. Allez les gars, c'est parti. Beaucoup d'eau, mais on voit le niveau sur les pierres d'ailleurs, la mousse qui s'est formée. En tout cas, premières impressions là sur les deux ou trois premiers lancers que je fais avec cet ensemble, avec la Loomis NRX 9 pieds soit 4, NRX plus 9 pieds soit 4, et le petit moulinet Hardy Marquis que Thomas s'est offert et qui me prête aujourd'hui. Et ben franchement, c'est un sacré ensemble. Super léger, avec une petite soie 4 là, c'est vraiment un joli ensemble. Et la première, juste sous une racine, elle est sortie là. Petite truite. Hop là. Elles sont vaillantes hein, pour leur taille. C'est pas un gros poisson, mais. Voilà, petit ferrage réflexe. Ça fait plaisir. Génial. Belle petite truite. À la première en sèche, après 2-3 lancers, elle est repartie un peu plus vite que prévu, mais bon, nickel. C'est de bon augure pour le reste de la session. Allez, go. Allez, go. Une petite avec un ferrage un petit peu acrobatique. Et voilà. Bon Hugo, ça gomme un peu là quand même, non? Ah, ça commence un peu, c'est cool. On a vu quelques petits gobages et écoutez, on va essayer. Espérer de faire un petit peu plus gros, mais c'est pas grave. Dans cette rivière, on s'attend pas à faire de gros poissons. Mais il peut y avoir pas mal de nombres, donc voilà, c'est juste histoire de reprendre la pêche à la mouche, c'est cool. Belle petite pario. Ah bah je dis ouais. C'est bien grosse celle-là, elle est pas très longue mais bien grosse. Belle petite truite. Là on a changé de mouche, on est passé sur une. Ouais plus petit ouais, sur une Bluedon plus petit. Une Bluedon en 18 je pense. En 18 ouais, plus petit. Et bon on voyait des poissons qui gobaient juste là.
à la tombée du courant. Et puis au ça final, gobe. Hugo il a quand même réussi en. Ça gobe, ouais, ça gobe des petites mouches en fait. Et là, c'est vrai, vous voyez que c'est une mouche, c'est une truite, pardon, bien. Bien grasse quoi. Super. Nice. Yes. Hugo. Cool. Bon, test validé là. Test validé. Du combo. Super combo, ouais. Alors on a attaqué quelques gobages et on n'a pas eu de réaction avec cette petite mouche là, cette petite blousaine. Donc je vais tenter quelque chose de différent. On va essayer de voilà, tous les courants de les faire au parachute. Donc une mouche qui flotte un petit peu plus haut sur l'eau, qui a un peu plus de portée en fait, qui coule un petit peu moins facilement. Donc on va essayer de faire les courants avec, voilà, sur une petite parachute. On va voir si ça marche, je pense que c'est bien la période, ça peut marcher donc. Allez go! Parler un petit peu du matos qu'on a utilisé lors de cette session. C'est vrai qu'on pêchait pas mal nous en 9,65 ce genre de rivière, donc c'est plutôt des moyennes rivières. Là actuellement il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, on a des niveaux d'eau qui sont quasiment à l'étiage, donc d'habitude on pêche bien en 9,65 et puis là on a testé la NLX Plus en 9,64, donc du coup plus faible en termes de puissance et c'est vrai que c'est un vrai régal. On pensait pas que baisser en taille de soie pouvait procurer autant plus de plaisir. Donc du coup c'est super agréable, une belle action cette NRX Plus, elle est un poil plus souple que la NRX Plus LP et elle est très très agréable pour pêcher en sèche. Dessus, comme Hugo en a parlé, on a mis le petit marquis en soie de 4. Avant j'avais un moulinet qui était un peu trop lourd et du coup bah, j'ai fait l'investissement et là l'équilibre il est parfait et c'est vrai que ça change vraiment la canne. Donc c'est assez cool. Dessus on a mis une petite soie, c'est une Saillant Triangler je crois, avec un petit baligne là en 6X, donc en pointe de 12. Et voilà, écoutez, un super ensemble. Je laisse après apprécier un petit peu la beauté du combo. Et puis nous, on va continuer un petit peu, essayer d'en terminer cette session sur 2-3 poissons. Et puis, c'est cool. Allez, go! Les gars, c'est la fin de cette petite vidéo, c'était super cool. Ouais. Franchement, petite session de 3-4 heures le matin en sèche. Donc on a essentiellement pêché avec des imitations d'éphémères. Petit test de la Lumi, c'était bien cool avec le petit Hardy, donc le combo est vraiment validé, super sympa.
Il y avait quand même un petit peu d'activité malgré qu'il n'y ait pas beaucoup d'éclosions d'éphémères. Donc c'était quand même bien cool. Et puis voilà, hein, franchement, c'est régalé. Ouais. Petite session au bord de l'eau, c'était cool. Carrément, carrément. En tout cas, les gars, on se dit à une prochaine session. Yes, à une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.